Bonjour, je m'appelle Marie Trépose, j'ai 43 ans et je suis la fondatrice et PDG de Welp. L'économie de demain, pour moi, c'est une économie qui sera avant tout collaborative. Voilà, je pense qu'on est en train de passer dans une nouvelle ère où effectivement les gens auront de plus en plus envie d'interaction les uns avec les autres. Et ils auront envie d'être, j'allais dire, un petit peu créateurs de leur vie et d'inspirer les autres. C'est pour ça justement que j'ai créé Welp, qui est une plateforme d'entraide entre à la fois particuliers et également associations qui cherchent des bénévoles. Parce que je suis convaincue qu'il faut qu'on retrouve finalement demain ce qui existait d'une certaine façon autrefois, qui était en fait cette notion de, voyez, de faire des choses ensemble, de s'aider, de travailler ensemble, sans forcément passer par une économie purement financière. Voilà. Je suis assez convaincue que dans les années à venir, on arrivera dans une économie où il n'y aura pas forcément la valeur marchande telle qu'on la connaît de façon traditionnelle, va pas forcément disparaître, mais en tout cas diminuer. Il y aura beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'humains, beaucoup plus d'interactions entre les gens. Alors en fait, j'ai aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié. J'ai effectivement moitié d'inscrits qui sont sur Paris, région parisienne, et moitié en dehors. Mais alors forcément, ça veut dire que Paris est un peu surreprésenté, ce qui est normal parce que c'est là où j'ai monté mon entreprise. Et moi, ce que j'attends des territoires, des collectivités locales, c'est de m'aider à impulser ce grand mouvement de solidarité que j'essaye de faire avec Welp, également dans les régions. Voilà. Donc j'ai déjà des discussions avec des mairies à Nice, à Toulouse, à Tours, à Lille. J'aimerais bien effectivement pouvoir lancer la région Est. J'ai eu des très bons contacts hier justement avec l'agglomération de Metz et j'aimerais bien qu'on arrive à lancer ce mouvement également dans la région. Parce que voilà, je suis en plus convaincue que c'est une région où naturellement déjà il y a cet esprit un petit peu d'entraide qui est présent et donc essayer d'aller un cran plus loin avec Welp. Comme j'explique à tous les gens à qui je présente Welp, c'est un système de cartes géolocalisées avec des petites annonces et des cœurs qui apparaissent sur la carte dès que quelqu'un met une annonce, soit pour proposer son aide, soit pour en demander. Donc ce que je dis aux gens, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que l'annonce la plus proche est à 40 km d'ici qu'il ne faut pas y aller non plus. Donc en fait, au contraire, mettez une petite annonce, un copain en met une deuxième, un autre une troisième, et en fait on lance comme ça le mouvement. Il faut que ça vienne aussi des gens eux-mêmes et de leur implication personnelle.